Bonjour, bonsoir tout fanatique top musique. Je viens de vous porter pour une nouvelle vidéo que nous allons montrer comment ou cacher abonné ou sous YouTube. Le cacher abonné YouTube là, qui avantage qu'il a là? Pour que ça le cacher. Est-ce qu'il est bon le cacher? Est-ce qu'il est recommandé pour cacher? On va raconter tous les détails ça. Qui sont le fait? Une fois que vous avez top musique pour la première fois, mais ça vous pour faire. Ou bien pour abonner à votre chaîne top musique là et pour bien pour liker. Ou bien pour garder toute vidéo et puis vidéo vous regardez actuellement là pour like. Vous cliquez sur cette icône ça là, vous pouvez cliquer sur lui et puis vous appelez like. Si vous regardez vidéo ça, vous invitez à regarder. Là c'est un site qui permet de faire l'argent qui relie musicking.com. Allez sur ça, si vous faire l'argent, il y a un peu l'autre site qui est en parler de lui. Même si vous regardez ce côté là, un peu l'autre site qui est en parler de musicking. Soit allez tout ou écrit musicking. Soit vous parlez de musicking ou après en plus l'autre channel d'état à faire vidéo expliquer mais comment pour faire l'argent sous musicking en pile channel à faire vidéo actuellement comment pour faire l'argent sous musicking ou capable toucher sous PayPal Western Union et puis mon cash si vous vivez Haïti c'est une meilleure plateforme actuellement là qui paye très bien sous mon cash. M'invite au Kounia aller sur musicking.com. Allez sur tube.musicking.com pour aller créer votre compte Kounia. Ok. Sans hésiter, nous pour aller, nous allons montrer nous Kounia là comment ou capable faire pour cacher abonné ou sur YouTube. Juste avant de commencer, nous allons remercier avec John et Michael et qui permettent la vidéo ça le plus possible. Sur Top Musique et puis après merci tout avec chaque green moon qui t'a commenté dans la première vidéo qui nous pas cité là en aller pour nous citer nous moun yo qui t'a abonné avec chaîne là et qui t'a commenté dans la première vidéo de la guerre sur Musa. Juste avant de commencer nous parlons like vidéo là nous avons Tizo Mix qui t'a dit à l'aise dans le commentaire et puis nous t'a commencé nous t'a reply avec Tizo. Et puis nous gagnons tout, Michael Dizai qui t'a commenté, merci Michael Dizai. Et nous gagnons tout, et DJ Wood qui t'a commenté, qui t'a dit besoin de tutoriel sur Serato. Nous avons fini avec vous, DJ Wood, j'espère que vous avez pour vous. Nous gagnons tout, et Marcelo qui t'a commenté, merci Marcelo pour commenter. Marcelo qui t'a fait plaisir, commenté qui t'a dit, bro, ferme jeune, appelez un besoin s'il vous plaît. Ok, merci Marcelo. Ok, il va faire un pays, bro. Bon, ok, ça c'est Marcelo. Merci avec chaque monde qui commente. Si vous n'oubliez pas d'abonner avec Marcelo. Puis Marcelo a fait le bac pour vous. Abonnez avec DJ Wood. DJ Wood a fait le bac. Et puis abonnez avec Michael Design. Et puis il a fait le bac pour vous. On continue. Comment vous cachez abonné? Vous cachez abonné, vous cliquez sur photo profil ou avec là. Ou vous allez sur YouTube. Ou vous allez sur YouTube Studio. Là, vous allez sur YouTube Studio. Ou vous allez cliquer sur le bouton ça qui c'est paramètres. Qui n'a quoi en là. Ok. Nous allons aller dans paramètres et puis nous allons aller dans paramètres et ça c'est avant de arriver là, on clique pour montrer ça. Ça c'est j'aime mise en convertir sur YouTube Studio normal. Si vous avez besoin de YouTube Studio et vous n'avez pas un computer, c'est facile. Vous pouvez aller sur le navigateur Chrome sur le téléphone, hein? Vous pouvez aller ou bien sûr aller sur le navigateur Samsung, sur le Samsung, ou mettre le navigateur en mode ordinateur. Ok? Je ne vais pas utiliser le téléphone là et ça fait un baffle. Nous allons monter nous. Ou après cliquer sur le bouton qui consacre qui sur le côté hein, et pour aller ou choisir mode ordinateur. Il faut que vous choisissez mode ordinateur, c'est très simple. Ou après vous parlez sur page ordinateur et pour écrire studio.youtube.com et pour appeler vite pour aller sur page ça qui c'est YouTube Studio une fois que vous êtes connecté déjà. Ok, nous utilisons ça comme moyen de test pour nous faire une vidéo avec vous et pas oublier votre chaîne pour abonner à la Top Music ou bien Michael Design. Ok, nous pouvons appliquer sur paramètres, le niveau sur paramètres, nous allons aller dans paramètres et chaînes. Ok, nous allons aller dans paramètres avancés et puis vous pouvez aller là côté qui marque nombre d'abonnés. Nous allons marquer afficher le nombre d'abonnés de ma chaîne. Ok, là mon affiché et puis là apparaît pour comme ça et pour juste cliquer sur le web et cocher là abonné ou you caché. Ok, si moi fais comme ça là, moi c'est lui et si vous tournez sur channel là, ok. Par exemple, malin sur votre chaîne, ok, regardez le channel là, pour rapide vite, abonnez-moi là,
li geta afiche mwen gen 19 abone, ok? Mwen gen 19 abone, ok, une fois que nous la, pour nous aller, nous pouvons aller sous paramètres là encore, nous pouvons aller dans chaîne, nous pouvons aller dans paramètres avancés, et puis nous pouvons aller dans afficher le nombre d'abonnés, nous pouvons décocher, et puis nous pouvons cliquer sous enregistrer, et puis nous pouvons aller là, nous pouvons actualiser la page, là, nous pouvons écouter les 19 abonnés, là, les supposer effacer parce que nous caché abonnés, nous qui sous chaîne. Merci à vous pour la vidéo ça. Pas oublier que vous avez un petit caché abonné. Les utilisateurs même qui ne pas monter sur chaîne ou qui monte. Les gens qui abonné qui minime. Par exemple, si vous avez des abonnés et puis vidéo intéressée, ils ne sont pas abonnés parce que la pensée et chaîne là, ils pas. Bah, si vous êtes abonné, vous avez un son ami ou bien vous avez vraiment, vraiment apprécié. Mais les gens qui ont monté, ils n'ont pas un nombre d'abonnés et puis les vidéo et puis les vidéos ont un nombre de vues, là, ils sont intéressés pour l'abonné. Ou bien tout, les on l'autre zami tout monté avec la vidéo, le vidéo a grand plus view et puis le channel got ti cas abonné là là ouais, ça c'est avantage qui est le cacher abonné. Désavantage qui est capable dit qui pas fait désavantage le cacher abonné, c'est lorsque ou grand plus monde cap sur vous et pour cacher abonné là et pendant abonné par exemple on vient qu'on perd d'abonnés, ça veut dire qu'on perd d'abonnés. Si vous tenez 100 abonnés, la petite vidéo vient gagner 80,000 abonnés. Là, abonnés à afficher, mon qui sur chaîne cap sur vous absenti, vous m'avez qui parlé ou perdu abonné, c'est des avantages ça. Mais après ça, au cas toujours quitter abonné caché, s'ouvrir, qu'on a tout qu'à afficher, sous constater chaîne ou même en règle ou pas perdu abonné et tout va bien. Et si vous voulez que ce papier posé dans le commentaire, si vous voulez une vidéo que vous avez fait pour une séance vidéo que vous avez partagé avec nous, pas oublier de faire dans le commentaire. Chaque jour, nous postons une vidéo pour vous, pour nous aider avec avancer avec la communauté. Si vous avez un travail là, pas oublier de liker, partager, abonner à la chaîne là, et puis inviter les amis ou venir abonner à la chaîne là. Si vous avez un travail là, nous pouvons prendre notre tutoriel dans notre vidéo, côté qui pourrait parler ou de Serator DJ, nous pourrons parler de Virtual DJ à plus d'autres actrices que vous-même ou deux connaissez. Ciao!